Ouais, salut mes beards, c'est pas Arnaud, on se retrouve pour ce 8e épisode, toujours sur Watch Dog. Putain, je venais d'ouvrir la porte là en fait, donc il faut que je pirate cette enceinte. Localiser un garde disposant d'un code de sécurité, d'accord. Donc lui, il a une caméra sur lui, à ce que j'ai vu. Ok, donc déjà il va falloir que j'essaie de retrouver là. Il y avait une caméra tout au fond, j'avais pas vu ça. Mais qui sert strictement à rien vu qu'on voit des gains. Peut-être que lui va venir vers d'autres personnes. Peut appeler les renforts, peut appeler les renforts. Faire exploser, d'accord. Pas pour le moment, gros. J'ai envie vraiment de. D'accord. J'aimerais en apprendre plus sur ce complexe et trouver le garde qui détient la clé. Qui détient le code d'accès, du moins. Ah bah c'était lui. Ok. Code d'accès trouvé, maintenant pirater les serveurs CityOS. Les serveurs étant. Putain. Les serveurs étant derrière cette petite boîte. Le souci étant que. Lui je peux pas le faire sauter. Qui je peux faire sauter là? Toi? D'accord, allez, on va tous les faire sauter en même temps. Blackout. Du coup, je peux pas rentrer. Monte, 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 Eden. Ah, t'es sérieux, je peux pas monter par là. Oh non, mais c'est une blague, ce jeu. Faites gaffe. Je croyais que je pouvais le pirater de là. Ok. Par ici y a des gains. J'aurais bien m'écraser la porte avec le mec. Putain. Allez, coincez-le. Le temps qui me grille, j'aurais peut-être. C'est pas une bonne idée de se mettre par là, je pense. Ah, le mec il est monté carrément! Oh, lui il est déterre! Je comprends pourquoi X il m'a dit que ça sert à quelque chose d'avoir plein de balles et tout. J'envoie une grenade, écartez-vous. Ok, je gère. Ouais, t'as vachement géré, ouais. J'ai bien aimé la petite balle. Bon, faisons vite les choses. Je peux rien bouger quoi. Ok.
me mets comme ça, voilà. Le CityOS enregistre notre quotidien 24 heures sur 24 et le public n'en sait rien. Eh ben. Je voudrais que j'arrive un jour au moins à faire une mission sans tuer une personne, non? Ça peut être cool aussi de temps en temps, je pense. Ouais, encore des trucs explosent et tout, normal. Crime détecté, what? D'accord, j'ai pas compris ce message d'un coup les gars, je vous avoue que là je suis un petit peu pris par le par tout ce qui se passe. J'essaye de gérer à la fois la manette parce que je comprends rien à chaque fois. Pour moi sauter, pour moi ça a toujours été croix pour sauter sur tous les jeux qui sont jamais sortis. Pour moi toujours le saut ça a été croix. Ça a été croix ou je sais plus ce que c'est sur Xbox la manette. Et ça me perturbe en fait que là ça soit carré rond. Et j'arrive pas, franchement, j'arrive pas à m'y faire, désolé. Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé de matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe centrale. Les circonstances de son arrivée ne sont pas claires. La police dit qu'il s'agit d'une opération de grande envergure, sans nous en dire davantage. Donc franchement, voilà, j'arrive pas à m'y faire un secours que à chaque fois, pour moi, j'appuie sur croix pour sauter. En fait, le mec se cache, voilà, se met à l'abri, du coup, je fais de la merde, du coup, j'appuie sur rond, c'est un petit peu du n'importe quoi, quoi. Ma grille, t'as disparu. Ah, Rossi Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil et essayer de voir ce qu'ils manigancent. Ok, ça a l'air super fat leur zone là. Putain, truc de malade. Par contre, je voulais voir une chose. J'ai combien d'argent? J'ai 23 000 d'argent. Faudrait un jour que j'essaye de m'équiper un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que... Bon, déjà, je vais prendre la résistance aux balles parce que j'en peux plus. Ben, j'en ai marre à chaque fois de me faire OS, presque. Comme ça, ça c'est fait aussi. Okay. L'idée de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Oh là 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 là. Hey, hey Green. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, j'ai vu JJ avec ta meuf, mon pote. Tu parles de JJ de la 5ème rue, là? Ouais. Le petit enculé. Je vais lui fumer sa gueule à ce bâtard. Il y a un mec devant la porte. Putain, il a failli me griller ce con. Oh non. Oh, yo, attention, tir croisé. C'est quoi ce truc, frère?
peux-tu fermer ta gueule à ton foiré que je fume? Barrez-vous, ça m'a fait. T'inquiète, c'est bon, je peux l'avoir d'ici. Ouais, tu peux m'avoir. J'aimerais bien voir ça, moi. Et où ça mène ce câble là? C'est rapide pour un blanc, il a dit. Pas tous les câbles ils mènent à ici, d'accord, donc ça va être la source, on va dire, entre guillemets. Là il va falloir trouver comment j'arrive à couper cette source. Il y a tout le quartier la machade. Il y a tout le quartier la machade, il a dit. Allez-y, crevez-le. Allez mec, on crève ce bâtard. Oh putain. Y'a pas un épisode qui va se passer bien là, s'il vous plaît. Il aille te faire foutre, ce fils de pute. Putain, ça craque, mets-toi à couvert. Hé, hey, j'ai compté tes balles, enfoiré. Si t'as une grenade, balance-lui dessus. Enfoiré, il l'a buté. Sniper de moi. Enfoiré. Je te défonce à la mitraillette. Oui, il fait le show encore lui. Ah d'accord, tout simplement. Bon, on va essayer de faire en sorte que la suite se passe bien. Vu que c'est déjà chaotique et que tout le monde me tire dessus, donc je peux pas faire mieux encore là. J'ai tout le quartier sur moi. Dans le beat, il a pas dû kiffer, je pense. En fait, j'ai envie de les tuer parce que j'ai peur qu'ils me tirent dans le dos quand je pirate. Ma foi, bon, ils ont pas l'air chaud. Le temps que ça bouge de cul, j'aurais déjà tout piraté. Le problème, c'est que là, tu vois, si j'aurais pas été en vidéo en fait. Pour ma part, j'aurais recommencé direct. Le souci, c'est que j'ai pas envie de non plus voilà faire perdre le temps. Je sais pas qui c'est ça. Irak. Et je crois que je l'avais vu dans les trailers. Non, non, mec, tu crois que je m'amuse avec toi? Ouais, ouais, tu veux que je te fasse signe? Il est touché! Il est touché! Oh, oh, ils sont vénéreux, ils parlent tarpement, les enfoirés là!
Et vas-y, envoie-moi tout le quartier, gros. Allez, vite, toi. Ouais, bien évidemment, je dois aller tout au fond. Et hop. Ça c'est fait. Oh, pas mal les flammes là. Ça m'a pas brûlé le cul, tant mieux. Le mec comme ça. Oh, le véhicule de merde. En même temps, ils vont pas me filer une Formule 1. Ok les mecs, on est dans la place, c'est parti. Je vais le taper, masse là. Ok, ouais, j'ai bien vu, ouais. T'inquiète gros. Oh, derrière. Allez boum, il reste plus que 3. J'ai essayé de me sortir de la merde, mais ça pique. On a un bug avec le scan CTOS. À toutes les unités ici centrale, le scan CTOS a pas marché, on l'a perdu. Oh là là. Désolé hein, pour le. J'ai écrasé 2-3 personnes, je pouvais pas, j'avais pas le choix là. Ma réputation elle diminue de plus en plus, tant mieux. C'est mec. Fois que je l'ai entendu. Écoute, j'ai
augmenter le nombre d'armes en circulation. Mais de quoi tu parles ? Si les armes sont bonnes, ils les vendent là carrément par caisse entière. Sous le manteau, bien sûr. Et la question c'est... Pourquoi ? Et où ? Et qui ? Tobias. Ok, ok. Je vais te montrer où ils font leur business. Mais après, ça sera à toi de causer. Ah, et oui, je veux que tu me cites dans ton manifeste. Mais j'ai pas de manifeste. T'en auras un. Ok, plusieurs classes d'expédition vide ont été dissimulées à travers la vide. Chaque caisse mystérieuse contient des précieux outils, instruments audio, d'accord. Trouver 9 caisses pour débloquer une mission spéciale et révéler le secret qu'elle renferme. Pour savoir combien de caisses vous avez trouvé, consultez la roue de progression. Y'a pas de problème. Trafic d'armes. D'accord. Pleine rue, 4 personnes ont reçu une balle. 4. Pour commencer, faudrait éliminer toutes les armes en circulation. Au point où on en est, faut tout essayer. Hein. Sinon, on va droit dans le mur. Un problème. Ok. Ouais. Attends, alors avant de faire ça, on va essayer d'acheter d'abord des petits trucs. Si t'as besoin de quelque chose, t'as juste à demander. Je peux prendre un lance-grenade ? Je veux. Alors, X m'a dit qu'il y avait une arme c'était un truc de ouf. C'était le M. Le M8M, je crois que c'est celle-là. Elle fait 15 000 quand même, un truc de malade. Et elle m'a dit que c'était une arme de ouf qui one-shot les ennemis. Un revolver semi-automatique. Donc est-ce que je l'achète tout de suite? 7500, 15 000, sachant que j'ai quand même pas mal de trucs encore à acheter. Je vais essayer de me mettre bien en arme d'abord. Fusil de précision. J'ai le SVD. Oh, l'ACAR. 17 000, 45 000, ouais, après on commence à rentrer dans du lourd. Donc allez, on commence avec les fusils de précision. On achète. De toute façon, on va faire le plein, hein. On va acheter toutes les armes. Ok. C'est déjà équipé. Je vais essayer de prendre des balles quand même. Ok, il me reste 6008. 6008. C'est quoi ça? Elle fait 40 000 celui-là? Ah, c'est une sorte de AA-12. Ok, genre une fusil à pompe mitraillette. Truc de malade. Ok, donc je me reste plus que 500$. Donc je fais... C'est cool, mec. C'est plus que cool, gros. Je t'ai vidé ta truc là. Donc moi maintenant en arme, je me suis mis bien, quoi, un petit peu. Là, il faut que je fabrique un petit peu. Ok. Donc là, je me suis mis bien. Je vais essayer un petit peu de faire le tour de la ville pour un peu pirater tous les gens pour leur compte en banque. Là, bon, lui, il avait 500$, mais ce qu'il a, je vais un petit. Voilà, par exemple, lui qui est derrière moi. Donc je vais essayer un petit peu de faire le tour de la ville. Il reste 20 minutes de vidéo. Je vais essayer de, voilà, de me balader un petit peu. Je vais essayer de me rapprocher aussi de la ville en général. Parce que j'ai l'impression que selon les quartiers où on est, les gens ont plus de thunes et c'est normal. Et après, le CTOS a-t-il besoin d'être réinitialisé? La mairie a tout de suite cherché à atténuer les problèmes imputés au réseau CTOS. Et ce, en dépit de tous les dysfonctionnements constatés. Excusez-moi. On va se rapprocher de la ville. En ville. Problème de feu de circulation, panne de courant ou encore coupure du réseau de communication. Oups. Vous avez vu en même temps ou pas ce qui s'est passé? Vous voulez que je l'évite ça? Je peux pas l'éviter. Je peux pas l'éviter, donc automatiquement je les tue et genre après voilà le citoyen modèle, quoi, le justicier. Regarde! Et le clignotant, espèce de chacal. Wow. Ouais, toutes les voitures ont le même klaxon, hein. C'est normal, frère. C'est chaud quand même des fois. Des actions, bon, peut-être que pour vous c'est rien, hein, c'est un petit truc de merde, mais c'est vrai que je sais pas.
Bon, le site OS est connecté. Là, il faut que je retourne vers là-bas, mais plutôt je vais m'amuser, je vais un petit peu tourner. Histoire de récolter un petit peu de la thune. Donc normalement ils sont marqués d'un point bleu. Quoi d'un point bleu? Une sorte de petit carré bleu. Donc je vais me balader, un chouïa. Faire le tour du pâté là. Vous allez voir, je vais tomber sur aucune personne qui a du fric. Si si. Pourquoi il se rapproche pas? Quoi, pourquoi ça pirate pas? Pourquoi ça va pirater? Ma foi. Peut-être parce que je me suis fait griller. Je sais pas. Genre normal, le mec dit ça, c'est. Mais qu'est-ce qui se passe? Le City West déconne. Ok. Y'a pas des petits étudiants là, friqués là? Des petits richous là? Le problème, c'est les parents. Oh attends, ça avait l'air chaud ça, sa discussion a lieu. On lui parle de marchandises. Ça a l'air lourd ça. Vas-y, on y va. Ok. Putain, il est où ? Opérateur Bloom, vous êtes sur une ligne sécurisée, je vous écoute. Ouais, j'en ai un pour vous. Il y a un hacker juste à côté de moi. Il s'est fait avoir comme un bleu. Vous devriez avoir tout. Bien reçu. Nous allons brouiller son pare-feu et publier un contrat. Oh, la prime va monter en flèche. Putain, j'aurais dû la descendre cette piatch là. Il m'en a pas parlé ça avec ce chacal, il m'a pas dit que je me faisais repérer. Donc lui il m'a parlé de caisse mystérieuse. Oh, c'est vrai que ça va tarpin vite. Oh. La musique se lance à chaque fois, non? Oui. Oui. C'est à toi que je... C'est à toi que je veux parler. Il est où le colis? Il est là, là, derrière? Oui, mais garde. Attends. La prochaine fois. La prochaine fois, tu dis ça. Composant électronique. J'aurais cru que c'était pire que ça, mais bon. C'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Saloperie de CityOS. Plus moyen de pisser tranquille sans se faire mater. Attends, attends. Non mais quel tocard. Ah, acheter un télescope quoi. Ok. Joyce Julia. Ah. Ok, donc en s'amusant comme ça, alors on peut plus arrêter tout le monde. Donc j'étais à combien là? J'étais à 6000.
Hein? Il y a un bug ou quoi là? Pourquoi j'ai encore que 500 de thunes là? Véhicule à la carte. Oh yo, il y a tous ces véhicules aussi à acheter. J'ai plus une thune, mec, je suis ruiné, laisse-moi tranquille. Comment ça? C'est horrible. Vas-y, casse-toi! Putain, mais t'es sérieux, toi? Nous savons à quel point votre famille est importante. Le système CityOS ne se limite pas. Ouais, d'accord, je vais ranger l'arme. J'allais voler cette femme, tu la voulais avant moi. Chacun raconte leur life, c'est un truc de malade, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc là on est dans le quart d'heure, genre je pirate un petit peu tout le monde. Participe à quoi? À des courses de voitures illégales, je m'en bats la race, j'ai pas envie pour le moment. Chicago, rencontrez des chefs célèbres, apprenez à cuisiner, goûtez des mets savoureux. J'ai les cartes ici même. Vous en voulez une? Et vous? Vous avez quoi? C'est qui ton maître? Vas-y, retire tout. 19 000 $ d'un coup. Vraiment? Ouais, sur la côte, en Californie. Ah bon? Celui avec la porte verte là? Ouais. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Genre il y a 4 secondes, j'avais pas de thune. Mais où c'est... Oh, j'ai pas compris ce qui s'est passé, gros. Il a tué. Il a tué. Putain, j'étais en train d'espionner une conversation. C'était... J'ai pas compris. Oh, il s'est passé un truc de malade d'un coup. Ça craint ce qui s'est passé là, un truc de malade. Oh. Ouais, j'ai appréhendé le mec, mais trop tard. Trop tard, putain. Putain, c'est pas vrai. Une victime de plus. C'est pas possible. Je sais pas si je vais tenir longtemps. Moi, je fais un petit peu le tour. J'ai récupéré plus que j'avais initialement. Donc, vous voyez que juste en. Ça fait combien de temps là? Qu'est-ce qu'elle a elle? Et les bonnes manières? C'est si compliqué que ça? S'est fait pirater son portable par un fixeur. Non, non, mais j'ai pas envie. Donc vous voyez qu'en l'espace de 10 minutes, là, je me suis fait plus de thunes. Ça y est, le dépôt est fait. Objet de valeur, pardon. À mon avis, ça
Information cordée. Excuse-moi, madame. Qu'est-ce qu'il fait, ce bolos? Il a fait quoi? Mais non, c'est rien du tout. Tu avais une arme, toi? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con, putain? Je cours et je pire des mecs en même temps. Y'a pas de bon justicier, les gars. S'en bat la race. Rien. Je cours parce que toi tu cours. Et moi je cours parce que toi tu cours. J'ai mon avis. Ça c'est encore. Non mais toute la ville elle interagit avec toi quoi. C'est un truc de fou. Ok, petit colis. Oh yeah. On voit le cash, bébé. Moi je me fous de ce qu'il fait pendant son temps libre. On va construire des machines volantes, des navettes spatiales, ce genre de trucs. Alors ils vont peut-être passer dans une pièce chelou avec du Cayman. Plutôt. Ah, c'est sadique. Ça devient grave là. Oh là là les gars. Ouh. Du cash, des piratages, du cash, des piratages, j'en peux plus. Non mais sérieux, franchement, c'est un truc de fou là. J'ai que envie de pirater là. Ok, clé système, clé système. Et j'ai trop de trucs là. Donc on va aller à l'ATM un petit peu pour voir, on va retirer encore un petit coup. Normal. Normal. Oh oh. Oh, tu m'as pas vu sauter, mec, tranquille. Oui, il m'intéresse lui. T'es parano. J'aime trop. Ah merde, ça se termine comme ça. Ah, j'aurais trop aimé qu'il y ait une conversation genre chelou là. Moi aussi d'ailleurs, en ce moment d'ailleurs. T'es parano. Ouais, je suis parano. Comment tu sais, gros? Allez, décroche, décroche. Allô. Ta gueule. Donc 4 sons sur 23, oui j'y suis moins. Bon, en même temps je commence un petit peu à pirater à partir, ouais ça fait depuis le premier épisode, j'ai pas piraté du tout. Donc voilà, je pense que d'ici jusqu'à la fin de l'épisode ça va être comme ça, hein. Je vais pas vous le cacher. Là je suis chaud piratage, donc je fais le tour de la ville, je prends tout ce que j'ai à prendre, je vole tout ce que j'ai à voler. Je peux pas lui donner de l'argent lui. Vous avez l'air de quelqu'un de généreux, aidez-moi et Dieu vous le rendra. Ben, j'aimerais bien mon frère, mais comment je fais? C'est dommage qu'il n'y a pas d'interaction avec les clochards ou... Je peux pas interagir avec lui. 0 pour une, positif. Et qui va nous sortir de là? C'est fou pour vous dire tellement que le monde part en vrille. Juste une petite anecdote comme ça, hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Je sais plus qui c'est, il y a pas longtemps j'ai vu sur... sur Facebook ou sur Twitter, qui marquait que genre il avait vu une femme
en train de donner du pain à des pigeons. Alors que juste à côté des pigeons, il y avait un clochard qui mourait la faim, qui mourait de faim, quoi. Et au lieu de lui donner le bout de pain au mec, quoi, elle a préféré le donner à des pigeons, quoi. Ah là 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 là. C'est dur la vie, les amis. J'avoue. Rien que t'entendre, ça m'a fait... ça m'a piqué l'oreille, quoi. Oh, 5 900 $. Oh, ça pique. Oh, lui, il m'a refait, lui. Oh, oui, j'ai bien aimé, là. Planque de gang, ok, on s'en fout. Ouais, j'ai grave kiffé, lui. Lui, il m'a vendu du rêve, là, lui. Hein. Il a gagné, hein. Ah, depuis tout à l'heure, c'est quoi à coup de 500. D'accord, c'est ce que me disait Ex en fait. Faut tout le temps neutraliser la victime. Ouais, du coup, voilà, je remonte à la réputation. Putain, c'est un truc de ouf quoi. Mais je veux être méchant, moi je veux pas être un gentil. Non, ici ils sont un petit peu à fou. Des courses clandestines. Dans le clan, ils sont un petit peu affolés. Par contre, il n'y a rien à dire au niveau de la ville et tout. Je connais pas Chicago, hein, je pense comme le trois quarts des Français. Mais je trouve que la ville est super bien reproduite. Et je vais pas vous mentir, plus je joue au jeu, plus je deviens accro en fait. C'est comme une drogue en fait ce jeu. C'est comme. C'est ça, il n'y a pas de mots. Hein. C'est plus tu joues, plus tu deviens accro. Et là, c'est vrai que là, d'un coup, là, je suis. J'ai l'impression que ce jeu peut avoir. Je sais pas combien d'heures de vie, mais. Il peut en avoir beaucoup, beaucoup. Je sais pas si c'est en bas qu'il y a. Ah non, il est juste là, l'ATM. Je le voyais pas. Alors, bien sûr, les ATM, vous avez compris, hein, chez nous, c'est les distributeurs de bifetons. 37 000. On va essayer de se faire un petit 50 000 avant de terminer la vidéo. Non ? Vu à l'allure où ça va, c'est un truc de malade. Donc, les armes, les voitures et tout. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui, tu te fais ruiner en 2-2 sur le jeu. Oui, d'accord, mais regarde l'argent, mec. En 15 minutes, je me suis fait 40 000 dollars. Easy. Oh, qui est un cul d'enfer? Oh putain, comme ils parlent. Eh, hey, mais ils sont trop crus, les gens, je te jure. Excuse-moi, bébé. 6 000? 4 000? Oh, les deux, quoi. Et je vous kiffe. Et regardez-moi, c'est un petit peu la ville. Franchement, je suis en kiff, hein. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment en kiff. Le problème, c'est que contrat exclusif. C'est quoi ça? Je l'ai pas vu sur la map tout à l'heure. Bon, j'irai la prochaine fois. Le problème, c'est que je vais pas vous mentir, je travaille énormément. Du coup, j'ai pas énormément de temps pour jouer, ça m'embête. Oui et non, comme ça au moins, voilà, je peux au moins savourer un jeu, quoi. Putain de merde, ça fait je sais pas combien de mois qu'on attend un jeu à souder. Et puis voilà, il est là. C'est pas non plus le jeu de l'année. Hein. Attention, le jeu est très très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très bien. Mais après non plus, c'est pas. Il y en a qui disent que c'est un truc de malade, que... Non, franchement, il est bien. Je vous dirai ça, en fait. Je vous dirai à la fin du let's play si vraiment l'histoire en vaut le coup. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à poster sur Twitter, Facebook, sur les réseaux sociaux en général, que la fin est vraiment énorme. Donc je me dis que les mecs, eux, ils n'ont pas lâché le jeu. Désolé pour tous les petits messages. Il faudrait que j'enlève les notifications. Et désolé à toutes les personnes qui m'envoient ces messages. Depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes dans ma liste de contacts qui m'ont envoyé des messages. Sincèrement désolé, je suis en plein let's play. Donc j'espère que vous l'aurez compris. Je suis pas un mec qui lobe les gens comme ça. Je vous répondrai après les let's play. Et lui, il m'a craché dessus, quoi. Voilà, en plus, je t'ai volé 1 000 $, chacal. Ça, je me rachèterai des pompes. Normal, et après tu fais un petit distributeur et hop. Ça fait zizir. Ça fait vraiment zizir. Alors.
Bon, le but étant... Bon. Il devrait plus être très loin. Qu'est-ce qui fabrique, lui ? Apparemment, le CDO SD... Ouais, c'est la totale. Panne de courant, problème de train, feu rouge qui marche plus. C'est pas ce qu'ils disent aux infos. Ils font plutôt l'éloge du système. Tu m'étonnes. Le budget com de Bloom doit être énorme. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il fabrique ? Normal, je me suis caché là. Il a rien capté, le mec. Hein. Normal, il m'a regardé. Mais genre, il est parti, tranquille. Bon, lui, donc, il faut que je l'attaque au corps à corps. Hein. J'avais... Putain, mais t'es grave, toi ! Mais c'est quoi ce truc là? Mort de rire. Bon, évidemment, j'ai pas réussi à le rattraper jusqu'à ce que je tombe sur un truc qui puisse lui piquer là, grave aux fesses. Faudrait que je trouve un truc qui le ralentisse. Du moins ça. Je sais pas si je l'ai fait à la bien ou pas. Ouais, ouais, je l'ai fait à la bien. Ouah, GG, j'ai fait un petit truc bien pour une fois, quoi. Un truc de fou. Bon, ben, je suis reparti dans mes occupations. Excusez-moi, madame. Non, c'est moi, ouais. Autant pour moi. On y va de suite. Il a l'air assez loin, quand même, pour celui-là. Bon, en y allant, on va quand même pirater 2-3 personnes. Et je pense que voilà, vous voyez que je sais pas quoi faire offline. Je pense que je ferai ça. Je pense que je ferai ces sortes de mini, ce mini piratage. Comme ça embête pas les gens et moi ça me ferait un petit peu jouer, même si c'est pas si c'est ouais, c'est un petit peu c'est distrayant quoi. Quand j'aurai une demi-heure avant de reprendre le taf ou quoi, je pourrais faire ça. Donc ça peut être que voilà, que bénéfique pour vous, comme ça je pourrais acheter plein d'armes et tout. Vous allez rien comprendre quand je serai à plus de 800 millions de dollars, on va dire mais le mec qu'est-ce qu'il a fait? Il s'amuse à courir tout le long de... Eh oui. Parce que je pense pas que ça soit vraiment très amusant à montrer tout au long d'un let's play. Mais bon voilà, là on fait une vidéo, hein, voilà, tranquillou. Sachant qu'on est presque, on est bientôt à 50 minutes. L'air de rien, ça va super vite encore une fois. Je vais vite récupérer ce colis et je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment la ville regorge de missions quoi, c'est un truc de malade. Le petit point négatif oui et non. À un moment on peut pas faire non plus 800 missions différentes, hein, qu'on soit d'accord. Bien sûr que les missions se ressemblent, mais bon. Ils peuvent pas non plus vous imaginez qu'ils fassent 800 millions de missions mais totalement différentes les unes que les autres, tu peux pas. À un moment voilà, il faut pas non plus abuser. Donc oui, c'est obligé, certaines missions se ressemblent. Je ne les ai pas toutes faites, donc je pense que ça doit être le cas. Prime expirée. Ah ouf. D'où t'as cru que tu pouvais me parler comme ça? Voilà, en 4 secondes. Bon ben désolé monsieur, j'ai pas... voilà. Je suis arrivé un petit peu trop tard. Donc la réputation, ça va super vite. Donc lui il m'a donné une nouvelle... Oh, dès que je vois marqué GT, ça doit piquer ça. Qu'est-ce que tu as moi? Salut. Je peux vous aider? Ouais, une boisson énergisante. A bientôt, on est ouvert tous les jours. J'en dirais une pub. Ah du coup ça m'a donné du boost. Normal. Combien? 6000. Bébé, je te kiffe. Bordel, qu'est-ce qui se passe à Chicago? Bénévole pour la... Ici l'opérateur Bloom, indiquez votre statut. Ouais, ça marchait de se promener en ville.
Vous êtes en relation avec l'opérateur Bloom. Allô, il y a quelqu'un? C'est quoi ça? Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, je te tire une balle dans la tête, enfoiré. Putain de merde. Pourquoi ils ouvrent leur gueule comme ça? C'est vraiment stylé ça. Franchement, ça tue les gars. Franchement, je surkiffe. Il a pas l'air bien. Arrête de cracher, toi. T'as pas dit que c'était sale de faire ça? Vol dans les magasins? Bon, derrière, c'est ma cousine. Âge 30 ans, chef d'équipe de Hotline. Mort de rire, j'arrive plus à m'arrêter les gars, j'arrive plus à m'arrêter, c'est une drogue, ça y est, je suis drogué les gars, j'ai envie de pirater tout le quartier, tout Chicago quoi. J'ai envie de pirater tout Chicago. Je vais juste trouver un distributeur. Il y en a un juste là-bas, ouais, il y en avait un juste derrière moi aussi, mais bon, pour le coup, je vais un petit peu pirater aussi les gens. Donc l'ATM est juste dans l'angle, mais juste avant, je vais pirater cette dame. Voilà, histoire d'avoir 3 500$ en plus. Normal. Là, s'il y en a un qui me vole, je suis bien là. Il est bien. Je suis à 80 000. Toi, t'es un petit peu ruiné par contre. Ton collègue, s'il fait le raccro dans la soirée. Bon. Parlons peu, parlons bien, j'ai piraté tout ce que je voulais pirater, je vais mettre fin à cet épisode parce qu'à un moment il faut que ça s'arrête. Moi je pense que comme je l'ai dit juste avant, quand j'aurai des petits manques d'argent comme ça et tout, j'essaierai de continuer un petit peu à pirater à droite à gauche. J'espère que vous aurez aimé cet épisode, désolé encore si vous avez trouvé ça un petit peu on va dire monotone. J'essaye à chaque fois de vous divertir. De la meilleure des façons qu'il soit, mais bon après voilà, j'essaie de faire ce que je peux en essayant d'être droit. Après des fois voilà, je peux pas me contrôler, je fais de la merde, j'ai de la merde. Je pense que pas mal de gens m'apprécient pour ce que je suis, pour ce que je fais. Donc merci encore pour tout le soutien que vous me donnez. D'accord. Donc merci encore pour tout le soutien. Ça fait vraiment plaisir, je vois qu'on vient de passer la barre des 14 000 abonnés sur la chaîne. Donc comme d'habitude, vous savez, je cours pas après les abonnés, les viewers ou quoi que ce soit. Action suggérée. Oh putain, il se passe un truc quelque part mais je vois pas où c'est. Les gars, je suis pas bien là. Je suis pas bien. On peut rentrer directement dans le bar ? Allez, fils de pute, dans ton fric. Oh là là, je suis arrivé in extremis, les gars. Oh, un truc de malade. Te casse pas la tête, vas-y, sur la tête du bar. Vas-y, reprenez la soirée tranquille, les gars. Je l'ai massacré. Je savais pas qu'on pouvait normal rentrer comme ça dans les pubs et tout. Ah, je vous ai dit, j'en apprends de plus en plus. Oh, lui, je suis arrivé, mais genre au bon moment. Donc j'ai l'impression que là, tout ce qui s'est passé dans le 6ème et le 7ème épisode, je suis en train de me rattraper un petit peu. La réputation, elle monte très 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 vite. Et j'aime bien, j'approuve le côté justicier. Il y a 4 secondes, je disais, non, bah la race du côté justicier. Mais là, je dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc on verra comment ça se passe. Je basculerai dans le côté obscur de la force. J'étais en train de vous dire merci du soutien. Merci pour les 14 000 abonnés. Merci pour tout ça. Je cours pas après l'argent, après les viewers ou après les abonnés. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on a du soutien et que les gens apprécient ce qu'on fait. Donc merci encore. J'espère vous le rendre de la meilleure des façons et en faisant des vidéos et en essayant d'être toujours à fond avec vous les gars. Donc passez une bonne soirée, passez une bonne journée, merci encore, c'était Parano, à bientôt, peace.